puisque je vais parler au nom de Paul Igartua, je vous invite à faire un effort d'imagination. J'ai de beaux cheveux blancs, longs, retenus par un catogan. J'ai un look un peu de rocker, avec des boucles d'oreilles et des tatouages sur un bras que j'ai fait moi-même il y a bien longtemps. Je suis né en 1945. How do you say 1945 in French? 1945 à Liverpool. J'aurai 77 ans cette année, mais je suis en très grande forme. Et mon gendre dit que je suis good looking. Mon esprit aventurier me pousse à émigrer au Canada dès l'âge de 19 ans. Alors je ne connaissais personne là-bas. J'hésitais une semaine avant le départ, j'hésitais entre l'Australie et le Canada. Je savais que j'allais partir, je ne savais pas où. C'est à Vancouver que je m'installe et que je fais la rencontre la plus importante de ma vie, Joanne, qui croit en moi tout de suite, en mes qualités artistiques, et qui m'encourage à peindre et qui deviendra ma femme et mon agent. Depuis, je peins, je peins, je peins. Je peins tous les jours depuis près de 60 ans. Je vais reprendre la parole, car Paul est bien trop humble pour parler de lui de façon élogieuse. Là, c'est Mathieu qui parle. Mais il faut savoir que c'est grâce à ses portraits de chefs indiens qu'il est devenu connu au Canada. Puis ce sont les gigantesques fresques murales qui ont fait sa notoriété en Amérique du Nord et en Espagne, d'où sa famille était initialement originaire. Son nom Igartua est en basque. Désormais, il est représenté dans des galeries à travers le monde et participe au plus grand salon d'art contemporain. Mais ce qui a plu particulièrement aux neuf sages du bureau du Vésinard, qui l'ont choisi pour être l'invité d'honneur de cette très belle exposition, c'est la capacité de Paul, je crois, n'est-ce pas, à maîtriser des styles très différents de peinture. Il a d'ailleurs joué le jeu pour vous ici, puisqu'à notre demande, il a réalisé 6 tableaux dans 6 styles différents sur la féminité. Pour nous. Pour Claudine aussi. Paul aurait beaucoup aimé, vous l'avez dit très justement, il aurait beaucoup aimé être là et il sera là pour la prochaine expo, c'est sûr, s'il est en France ou s'il peut de nouveau voyager, il sera là. Paul aurait beaucoup aimé être présent parmi nous ce soir. Il est d'ailleurs toujours partant pour faire la fête et boire un verre en bonne compagnie. Mais surtout, Claudine, il aurait aimé être ici pour vous remercier en personne, pour votre invitation et pour tout ce que vous faites pour les artistes et ceux qui aiment les artistes. Merci, bonne soirée.